à chaque jour, c'est que tu marches partout. Je n'étais plus capable de suivre. Juste de regarder dans l'écran de ma caméra, genre, c'est que faire le focus, c'était plus cool. Visage du Maroc, qui est une série de photos réalisées par Annie Depont, qui est aussi la personne qui dirige, qui crée, qui orchestre la Semaine des artisans depuis de très nombreuses années, qui est un événement que tous les gens qui sont de Laval apprécient, et beaucoup de gens, beaucoup de gens de l'extérieur aussi. On a aussi une exposition qui a été réalisée par quatre jeunes artistes de la Relève, Jeanne Tétrault, Claudie Lévesque, Béatrice Lange et Sandrine Desnoux, qui ne peut pas être ici ce soir parce qu'elle travaille. Alors, c'est une exposition qui fait partie d'un projet qui s'appelle « Immigrants semeurs de possibles ». Alors, ce projet-là, bonjour René, ce projet-là a été, j'ai créé ce projet-là. Le rappel, on fait beaucoup de projets qui sont en lien avec des causes sociales ou environnementales. On fait depuis plusieurs années énormément de projets autour de la défense de l'eau. Et Immigrants semeurs de possibles, c'est un projet que j'ai créé un peu en réponse à des choses qui se passent dans la société qui m'inquiètent beaucoup, c'est-à-dire une montée de l'intolérance par rapport à la diversité culturelle. Et moi, je pense que, quelles que soient nos opinions par rapport à la laïcité, c'est très important de réaliser l'apport des gens des différentes communautés culturelles qui viennent s'installer ici. D'ailleurs, moi-même, mon père est un immigrant. Je suis mariée à un immigrant. Et puis, on est la plupart d'entre nous ici, je pense, des immigrants de plus ou moins long terme. Sinon, il n'y avait que des Premières Nations au Québec. Hein? Alors, c'est important de réaliser l'apport des immigrants. Alors, j'ai voulu créer un projet où on présente une vingtaine de personnalités, de personnes lavalloises, qui ont contribué à la société dans des domaines qui sont importants pour nous. On est un mouvement d'auteurs et d'artistes, alors c'est des gens qui ont contribué à la société, soit dans le domaine des arts, de la littérature ou de l'éducation. Alors, il y a des professeurs de primaire, de secondaire, d'université, des éditeurs, des artistes en art visuel. Enfin, je vous invite à faire le tour de l'exposition tout à l'heure. Il va y avoir des pauses après chaque prise de parole ou chaque. On est vraiment content de participer à cette exposition-là et en tant que jeune de Laval, de participer à la culture de Laval et encourager. Bon, j'aimerais dire un petit quelque chose par rapport à votre exposition. Ben, je vous souhaite de venir aux activités du festival aussi parce que c'est plein de belles activités cette semaine. Puis, on vous remercie d'être là aujourd'hui pour voir nos photos parce que c'est pour que vous les voyez qu'on est venu. Donc, merci d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite de venir cette semaine parce qu'il y a plein d'activités qui ont l'air fantastiques. Comme en fin de semaine, on a une activité, on fait un visionnement de court-métrage de La Relève. Ça s'appelle La Relève Côte et Courbe. Il y a toutes sortes de courts-métrages qui vont être présentés justement de gens de notre âge environ qui débutent un peu en cinéma. Donc, je pense que 6 différents courts-métrages vont être présentés. Puis ça va être ici de 20h30 à 10h. Donc, je prends le micro le plus bas.
Bonjour Monsieur Milan, je m'appelle Annie Depont. Effectivement, comme Nancy vous l'a dit, je dirige la semaine des artisans de Laval depuis plus de 14 ans, la semaine elle-même ayant 23 ans cette année. Nancy m'a invitée à exposer des photos de mon voyage au Maroc. Je suis partie dans le désert, toute seule, avec quand même un guide. C'est d'ailleurs le beau foulard bleu que vous voyez au milieu. Et je voudrais remercier Nancy parce que c'est à la fois une collègue et une amie, je pense qu'on peut le dire. Et nous nous reconnaissons surtout dans notre force de travail. Et nous nous respectons beaucoup pour cela, bien que nous ayons des idées très opposées sur beaucoup de sujets. Mais ça n'empêche pas. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous souhaite aussi une belle visite de notre exposition. Il y a plus de 150 exposants qui nous attendent en bas. Merci beaucoup de votre présence. Alors, on applaudit nos artistes. Alors, je vous remercie beaucoup toutes d'avoir mis votre sensibilité au service de ce projet-là. Et Claudie, viens ici. Je voudrais remercier particulièrement Claudie Lévesque, qui a vraiment, sur qui j'ai vraiment pu compter tout le long de cette organisation-là pour l'orchestration. C'est beaucoup, beaucoup de travail, de communication, d'organisation pour arriver à un projet comme ça. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elles ont aussi tourné les images d'un film qui va être monté et présenté, qui s'appelle aussi « Migrants semeurs de possibles ». Et qui va être présenté et monté à l'automne, en octobre, à Laval, à la bibliothèque de Duvernay. Alors, merci beaucoup, Claudie, parce que c'était vraiment pas évident, je pense. Et puis, je trouve que tu t'en es tirée avec brio, puis j'étais très contente de pouvoir compter sur toi. Merci. Et je voudrais aussi remercier ma fille Béatrice Lange parce qu'on a eu toutes sortes de péripéties en fin de projet, ce qui a fait que je me suis retrouvée avec une énorme surcharge de travail. Et si Béatrice n'avait pas été là, ben je pense qu'il n'y aurait pas tout ça. Moi, j'aime mettre un carton en arrière, parce que carton, on le garde pour le café. Hein? Sans te voir, notant distraitement ta présence au passage sans plus. D'instinct, nous nous étions reconnus en nous frôlant, comme on pressent un danger, un regard. Je te savais là dans mon dos et je me suis retournée.
au moment même où tu te décidais à m'adresser la parole. Parmi la foule affairée, nous étions les prisonniers de l'ennui semblable. Tu m'amusais et j'avais l'impression de sortir d'un long sommeil. Un jour comme les autres, tu surgis de l'ombre. Ton corps d'animal nonchalant capture immédiatement mon regard et la soif me prend devant la coupe négligemment offerte. On me parle, mais je n'entends rien. L'ivresse me dresse et me dirige vers toi. Coince dans ma gorge des raisins gonflés qui éclatent. Quels mots me faudra-t-il trouver pour te faire comprendre, sans te le dire, que le fruit est mûr et prêt à cueillir. Nous sommes seuls dans la cellule du désir. L'homme me propose et la femme me dispose. Il dit, je te veux. Le jeu commence. Où est-il écrit qu'il doit se prononcer et esquisser le premier geste qu'elle doit refuser et se faire attendre? Je n'ai pas voulu te faire languir, mais je n'ai pu désamorcer le scénario. Tu as plongé tout de suite et je suis ton geste. Fascinée, j'ai peu à peu émergé de l'abri où je me cantonnais. Tu me disais belle, tu me disais garce. Je ne m'y retrouvais plus et cet égarement avait quelque chose et d'enrageant à la fois. J'étais dans ton regard en perpétuelle métamorphose. Tu nommais mon incertitude stratagème. Mes hésitations n'étaient que des laits futiles. J'étais la géante à déjouer. Viens, viens, le temps bouillonne et les murs croulent. Je suis l'homme cheval et tu es l'espace. Je suis l'homme oiseau et je me jette à l'eau. Dans cette mer qui avance et recule et s'offre et se dérobe. Tu te caches et je te cherche et je te trouve, mais tu te caches encore. Avec ma bouche et mes mains, mon rire, et tout mon corps tendu par l'effort, je te poursuis. J'entends ton souffle court, je te sens toute proche et je te crie, viens! Tandis que tu me regardes plonger, un étrange sourire aux lèvres. Quand les hommes passaient, montés sur des cuisses puissantes, mon regard aimait parfois s'attarder comme par inadvertance au creux des reins si émouvants. Pourvu qu'on ne m'ait pas vu regarder, de quoi aurais-je l'air? Derrière mes yeux fermés, je me faisais tout un cinéma et mes sens se butinaient, frivoles, allumés par ce bain de foule inoffensif. Et tous mes moyens m'abandonnent. Entrer dans le réel, c'est s'aventurer en terrain glissant.
Impossible de faire marche arrière, de reprendre une séquence. Ai-je fait une erreur en me donnant à toi? M'aimes-tu, Anna Pahebek? Que vas-tu faire de moi? Que vais-je faire de nous? Déjà, je tiens à toi. Contre toute logique, j'ai perdu le contrôle de l'histoire. Il ne reste plus qu'à cacher ma panique, à afficher une stoïcité exemplaire et à attendre la suite. De tel que de se retremper dans l'odeur du sexe pour reprendre quoi la vie, me disait-on. Ah! Laissez-moi rire. Rien ne nous prépare à la douceur d'une peau de femme. Tu ne sais que trop bien de quoi je parle. Avec grand art, tu te laves, tu te parfumes, tu te coiffes, tu te maquilles. Ta vie. Je te retrouve, le coup porte et je succombe à tes artifices, reconnaissant. Ta chevelure comme un jardin, ta peau de fleurs et tes gestes de coquillage me donnent envie de m'enfermer avec toi. Parfois, je pense t'avoir surprise à l'improviste, la tête ailleurs et le corps offert au regard vulnérable. À te voir rosir, je comprends vite que tu attendais ma venue, que tu l'espérais même. Tu t'es préparé pour moi et tu prends plaisir à te laisser examiner, tout en faisant mine de n'en rien savoir. Comment t'en vouloir de ces petites mises en scène, de ce jeu charmant? Tes enfantillages sont de ceux qui font craquer les hommes. Tu poses, tu joues l'innocence et tu me plais. Dans la grisaille environnante, tu chatoies comme un mystère en couleur. C'est la première fois qu'il y avait une exposition d'art de communauté en Première Nation, à ma connaissance. Il y en a peut-être que je ne suis pas au courant, mais. Et puis aussi de créer des ponts comme ça, je trouve ça assez formidable. Voilà. Donc, en parlant de créer des ponts, comme c'est un projet qui est autour de la diversité culturelle, j'ai ressorti mon premier recueil. Elle vient de comprendre. Il ne reviendra pas, ce frère disparu sous le feu des combats. Cette nuit qui a duré plus de 20 ans, la voilà qui s'achève. D'une main frêle, elle essuie les cendres sur ses. Thank you.
afin de pouvoir marcher librement pour célébrer la terre dans le récitatif qui offre aux murs et aux choses le contrepoint du chant, éloge et mystère, surtout l'élégance. L'élégance sauve le poème comme le soleil l'été. Merci, c'est ce texte-là que j'avais lu. Bon, maintenant, il y a un texte qui, toujours, qui vient de paraître, qui n'est pas encore en librairie. Donc avec Nancy, elle a toujours la primeur, donc je fais tout l'aval. Un essayiste, un éditeur, il est né à Haïti. Il est l'auteur de plusieurs livres, je ne sais même pas si c'est ce que j'ai trouvé dans... J'ai fait ça très vite aujourd'hui pour préparer toutes mes choses, pour toutes sortes de raisons. Alors moi, j'avais une quinzaine de livres de poésie. Est-ce que c'est ça, Tony? Oui. Oui, c'est ça, bon. Alors, moi, j'avais eu le plaisir d'écrire un article sur un de ces livres. Mais ces livres sont magnifiques. Il y a un lyrisme, une sensualité dans son écriture. Mais la raison pour laquelle j'ai invité René à faire ses immenses qualités de poète, c'est aussi parce que je trouvais que dans le cadre de ce projet-là, Immigrants sonores de poésie, c'était vraiment la personne par excellence. C'est quelqu'un qui a gagné les plus hautes distinctions au Canada en littérature. Et c'est quelqu'un qui a rendu la parole possible pour tellement de gens, et pour tellement de gens de la diversité aussi. Des gens qui sont autant des Premières Nations que des gens de toutes sortes de cultures différentes, des Québécois aussi. Alors, c'est un rassembleur. Moi, j'aime ça souvent me dire aux gens que moi, je suis une femme pont. Mais si moi, je suis... Ben, en fait, voilà, comme... je sais pas, elle nous a présenté. Nancy, elle nous a présenté. C'est ça. Ça, c'est mon père Alfredo, ma soeur Zoé, moi, c'est Yann. Et voilà, on a un trio, on fait des trios dans la musique, des petits concerts familiaux, très corrects. Mais aussi, on a un groupe de musique dont les trois participants, et mon père est le prof de musique, et qui est les amis de la musique. Et voilà, donc on est ici pour vous présenter un petit, vous montrer un petit quelque chose. Et vous, voilà, on va lire la soirée avec une petite musique. Wouhou! Merci! Wouhou! On est pour ça! Hasta terminar con sus lealtades y con sus ambiciones. Ces montagnes,
elles savent comment on convoquait les désignés les uns après les autres pour les anéantir. Aniquilarlos. Détruire leur... Coming home someday. Qu'une ville est supérieure à un autre, donc il disait aucun peuple n'est plus petit que son poème. Donc et je pense que c'est comme pour moi de la vitamine pour mes peaux, de la vitamine pour moi. Et je vous lis le prologue de ce texte qui était inédit à l'époque pour ma santé. Bonsoir madame. Est-ce bonsoir. Que vous êtes son ami? Ah oui, bien sûr. Comment vous appelez? Ça, c'est la
C'est beau, hein?